Et voilà, maintenant, géant casino ici à Saint-Doulchard. Bon, alors l'autre fois, c'était vraiment pas terrible, hein. Regardez ma dernière vidéo là-dessus, hein. C'était vraiment naze même. Ça remonte à... C'était quoi, en octobre dernier que j'étais passé là pour chercher DVD et jeux vidéo qui avaient disparu. Alors, seront-ils revenus? La réponse tout à l'heure, si je peux filmer à l'intérieur, seulement si, et sinon, ben, après dans le compte rendu, hein, comme pour les autres lieux que j'ai visités. Bienvenue tout le monde sur l'après-ciné, la chaîne du passionné. Alors comme vous avez pu le voir à l'instant, eh bien, me voici en plein départ de chasse aux DVD et jeux vidéo. Alors ici, je me trouve au centre commercial Carrefour. Et comme vous avez pu le voir, il y a l'enseigne Fnac juste à côté. Alors, pour information, donc là je filme, on est le 23 mars. Il y a une Fnac au centre-ville de Bourges déjà. Et en fait, elle va simplement déménager du centre-ville, bien malheureusement. Et parce que elle va se mettre juste à côté de l'hypermarché Carrefour. Bon, c'est une très mauvaise nouvelle bien sûr pour le centre-ville parce que bon, quand même, je vais vous dire que ça fait une certaine marche pour arriver ici à pied, hein, si on y vient par ce moyen. C'est environ 3 km 600 voire 700 mètres de chez moi. C'est quand même pas la porte à côté. Bon, en voiture, c'est quoi? En voiture, on y est en 10 minutes. À tout casser. Bon, eh ben, bon, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans cette Fnac que vous venez de voir parce que elle n'est pas ouverte. D'après mes informations, discuté avec un vendeur de la Fnac du centre-ville, ils vont déménager d'ici un mois. Donc fin avril, voire début mai, elle devrait être ouverte et opérationnelle. Voilà les amis, eh bien c'est parti. Chez Carrefour. J'y vais. Post-scriptum, dans le centre commercial, il y a aussi Micromania, hein, pour les jeux vidéo. Alors, tout est aléatoire. Je ne suis pas du tout sûr de pouvoir filmer. Vous verrez bien. Sinon, ben, je ferai le... Vous aurez tout le détail, hein, si j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans le compte rendu qui suivra ce reportage en direct. Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue sur l'après-ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, eh bien, cinquième et dernière partie. Si tout se passe bien concernant la mémoire de mon téléphone qui me reste, bon, normalement, je saurais être bon au moins pour 30 minutes. Si jamais c'était pas le cas, il y aurait une sixième et cette fois-ci dernière partie. Mais normalement, c'est bon.
Et ensuite de mes achats que j'ai fait dans différents endroits. Alors, bon, alors, je n'ai pas pu filmer la Fnac en centre-ville de Bourges, puisque ben, ça se passe dans la rue. Et ben, c'est extrêmement difficile, donc ça n'a pas été possible, et encore moins à l'intérieur du magasin. Alors, j'ai trouvé en jeu vidéo, le PS4, Call of Duty Modern Warfare. Voilà. Alors, la franchise de jeux de tir à la première personne la plus vendue sur PS4. Un mode campagne, multijoueur, opération spéciale. Là, vraiment, j'ai fait une très bonne affaire, puisqu'il était neuf sous cellophane et je l'ai acheté 10 euros seulement. Donc, bon, c'était pendant les soldes d'hiver, hein, je précise. Et bon, j'ai vraiment fait une bonne affaire parce que j'ai vu qu'il était encore à 69,99 € en neuf. Je crois que c'était. Je crois que je l'avais revu plus tard à la Fnac. Ouais. Bon, après, bon, entre temps, bon, ça c'était c'est un achat du mois de janvier, hein, donc ça commence à faire un certain temps. C'est le 24 janvier, et plus exactement. Et, bon, peut-être entre temps, il y a des côtés, hein. Enfin bon, la bonne affaire. J'ai en casino un DVD, Poltergeist, version longue. Ouais. Je sais pas si on peut lire là, parce que comme c'est à l'envers. Dans mon objectif, la terreur revient chez vous. Inclut les deux versions cinéma longue et cinéma, les versions cinéma et longue. Pour information, donc c'était pendant les soldes d'hiver, toujours. Et ben, c'était la dernière fois qu'ils vendaient les restes de DVD Blu-ray, puisque bien ce rayon a disparu déjà en casino. En tout cas, là où j'habite, hein, qui se trouve à côté ici, à Saint-Doulchard. Alors, je ne sais pas si vous avez des gens casinos dans votre région, dans votre coin. Est-ce qu'ils font encore du DVD et du Blu-ray? C'est la question que je vous pose. Alors, merci de me répondre. Si vous avez, si vous en avez une, hein, en dessous, hein, du descriptif de la vidéo, comme d'habitude. Voilà. Et alors, ce film que j'avais vu au cinéma, ben moi j'avais bien aimé. C'était un remake tout à fait honorable. J'avais vu au cinéma en trois dimensions pour l'histoire. Alors, ça parle eh bien de la famille des Bowen qui emménagent dans leur nouvelle maison. Ils sont rapidement confrontés à des phénomènes étranges. Une présence hante les lieux. Une nuit, leur plus jeune fille, Maddie, disparaît. Pour avoir une chance de la revoir, tous vont devoir mener un combat acharné contre un terrifiant poltergeist. C'est un fantôme, un esprit vengeur et frappeur. Plus exactement, puisque ça vient du nom allemand. Et alors, c'est toujours plus oppressant et angoissant, produit par le légendaire Sam Raimi, qui a fait entre autres Evil Dead et Jusqu'en Enfer. Poltergeist réinvente le classique de Tobe Hooper, que je vous invite très fortement à voir ou à revoir, puisque il fait partie justement de mes films préférés, hein, le numéro 1, hein, je parle. Hein. C'est Evil Dead, la vengeance des fantômes,
plus exactement. En titre français. Donc ce film réinvente le classique de ce Toby Hooper, paix à son âme, et vous plonge au cœur de l'horreur. Le mal est déjà chez vous. Alors, je l'avais acheté et bien super pas cher pour seulement 1,50€. Et à l'origine, hein, c'était vendu 15€, hein, pour vous dire. Voilà. Bon, rien d'extraordinaire au niveau de la sérigraphie du DVD. Hein, ça prend quasiment la même que, mais d'une pose différente, le clown maléfique. En bonus, ben, il n'y a pas grand-chose. Bon, il y a déjà le film en version longue inédite. J'ai vérifié, hein, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. C'est 5 minutes et quelques... À tout casser, 5 minutes. La fin alternative et Gary Photo. Bon. C'est mieux que rien, enfin bon. Je ne sais pas si le support Blu-ray, il y aurait plus de bonus, puisque, vous le savez peut-être, je suis un bonus vore. J'adore ça. Vraiment, je suis un dévoreur de bonus. Et de films aussi, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? Donc, c'est un film qui dure 1h29 minutes. Donc là, visiblement, en version cinéma, et vous rajoutez environ 5 minutes de plus pour la version longue. Donc c'est un peu c'est quand même la déception pour la Director's Cut. Ben, je sais pas si c'est pas marqué Director Scott, mais c'est une version longue. Bon. J'aurais aimé avoir au moins minimum un quart d'heure. Bon sang de bourg. Suivant. Alors là, ça concerne les achats de chez. Oui, c'est ça. Du magasin Troc Bourges, anciennement troc.com et anciennement Troc 18. Un jeu vidéo sur PS3 inspiré de la série éponyme que j'adore. Voilà. En excellent état, version française, complet avec notice. Je parlais pour moi de l'importance des notices. Parce qu'il malheureusement n'existe plus, comme j'en parlais auparavant. Et voilà. En plus, c'est vraiment un excellent état. Il n'y a pas de salissure. Je vais vous montrer. Alors ça écrit. Voilà. Déjà, il y a l'histoire. Voilà, je vais vous dire ça. Donc que ça parle, pour ceux qui ne connaissent pas Lost. Le vol océanique 815 en provenance de Sydney, Australie, est mystérieusement arraché du ciel et s'écrase sur une île, ne figurant sur aucune carte, quelque part dans l'océan Pacifique. Les survivants ne tardent pas à comprendre qu'ils doivent rester unis. Ils espèrent un jour être secourus. L'île est dangereuse et renferme bon nombre de secrets. Et comme ils vont bientôt découvrir, chacun d'entre eux a aussi ses secrets. Comme tous les autres naufragés, nos héros... notre héros, qui s'appelle donc le photojournaliste, qui n'a pas le nom puisqu'il est amnésique, et qui doit découvrir qui il est, grâce à des flashbacks durant lesquels vous pouvez intervenir, ainsi qu'en interagissant avec les autres naufragés et en explorant l'île. Voilà, avec tous les personnages principaux, ici. Une belle petite notice, plein de choses à savoir. Voilà, les commandes du jeu. Et je sens. Bon, là, ça sent rien, c'est inodore. J'adore faire ça, moi, sentir les objets au niveau du papier. Voilà. C'est
me renseigner sur une certaine histoire vécue ou passée. Bon. Non, c'est un sympathique notice. Et après, la particularité, c'est qu'on peut même mettre des notes derrière. Donc là, il n'y a rien ennemi. Et puis, on voit la carcasse de l'avion. Enfin, un bout de carcasse. La sérigraphie du disque. Bon, par contre, là, elle est vraiment pas terrible. J'aurais préféré une autre présentation. Derrière, voilà. Bon, je vais vous le lire parce que moi, je vois que c'est marqué à l'envers. Survivrez-vous à l'aventure? Explorez l'île. Rentrez enfin chez vous. Une île perdue dans le Pacifique, les décombres fumants du vol océanique 815, des survivants terrifiés et vous seul et amnésique. Vivez l'aventure inédite d'un rescapé de Lost à la recherche de votre identité. Découvrez quel est ce passé mystérieux qui vous hante. Tentez de percer les secrets de l'île et trouvez le moyen de fuir. Résolvez des énigmes grâce aux héros de la série. Et n'oubliez pas de rentrer les chiffres dans l'ordinateur. Retrouvez les lieux cultes de Lost et nouveaux espaces jamais explorés. Vraiment, moi, en tant que fan de Lost, c'est vraiment un jeu que je ne pouvais manquer. J'ai payé. Combien je l'ai payé? €5,90 en occasion. C'est un tantinet cher, enfin tantinet un peu cher, mais c'est un jeu qui est rare, puisque en occasion, je l'avais vu une fois sur Xbox 360 et il y a déjà quelques années de ça. Je l'avais jamais revu après. Bah, je l'avais pas revu dans d'autres magasins. Donc définitivement pour les fans, achat obligatoire. Suivi de, et pour finir sur le chez Troc-Bourges, un Blu-ray Nightfare. Bon, c'est le titre en anglais, mais en français c'est Tarif de nuit. Un film dont j'ai vu la bande-annonce. C'est entre le thriller et pour moi, c'est pas vraiment. Enfin, ça flirte, ça frôle l'horreur, mais je dirais plutôt c'est un film, ouais, de terreur. Pour ceux qui suivent ce que je veux dire. Voilà, c'est un cocktail hybride entre ça. De quoi ça parle? Eh bien, c'est l'histoire de deux jeunes de banlieue, de retour d'une soirée parisienne, bien arrosés, qui montent dans un taxi pour rentrer chez eux. Au moment de régler la course, ils décident de s'enfuir sans payer. Pas bien ça. Oh que non! Commence alors une traque sans merci, tant physique que psychologique. Mais l'argent est-il l'unique motif du taxi driver, du conducteur de taxi? Alors, bon, je vous montre derrière. Après, je vous lirai hein, au niveau des bonus. Donc, je viens sur la bande-annonce que j'ai vue. Ouais, ça a l'air intéressant. C'est bien violent. Après, je ne peux pas en dire plus puisqu'il faudra que je voie le film et faire la critique éventuellement. C'est vraiment thriller et film ambiance très noire de vengeance, ouais, je dirais ça. Donc c'est un film de Julien Seri qui a remporté eh bien, un paquet de prix,
Non, pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, oui, même plus. Il a, il a remporté 20 sélections internationales de films de genre. DreadCentral.com disait que c'était le meilleur film d'horreur 2015. Et Nerdly.co.uk disait que c'était inoubliable, en mettant un 5 sur 5. Nightfair a le mérite de l'audace. C'est, donc là, c'est Rue 89 qui en parle. Ses influences, ses influences, excusez-moi, j'ai un peu de difficulté à voir qu'est-ce qui est marqué. Voilà, donc c'est ça. Ses influences, quelque part, aussi entre Vigilante Movie et Comic Book, font de cette After House francophone une œuvre généreuse et excitante. Qu'est-ce que Vigilante Movie ? C'est la première fois que j'en entends parler. Ça vient de l'anglais, c'est vigilante, c'est ça, c'est se faire justice soi-même, je dirais. Faire la justice soi-même. Et la justice citoyenne. Et comic book, ma foi, oui. Pourquoi pas. Pour moi, c'est plus du thriller. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il raconte d'autre? Voilà. Il y a Albert Berg du site humanecos.com qui disait « Si Batman s'accouplait avec le camion de duel de Steven Spielberg, 9 mois plus tard, il donnerait naissance à Nightfair. » Quelle drôle de vision, quelle drôle d'idée. Oui, mais bon. Comme je vous dis, hein, tant que je n'aurai pas vu le film, je ne peux pas vous en parler. Et je vous remonte derrière. Voilà. Attention pour le contre-jour. Bon. Et l'affiche de devant. Voilà. Et, les bonus. Making of, commentaire audio du réalisateur. Avant-première au Max Linder Panorama. Donc ça doit être un cinéma, forcément. Je ne sais pas où il se trouve, celui-ci. Les origines expliquées. Les ululeurs. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Et différentes bandes-annonces. Savoir que ce film est interdit au moins de 12 ans. Et la durée, est-ce que c'est marqué quelque part? Qu'est-ce que c'est marqué la durée? Est-ce que j'ai un indice de durée? Et la question du moment. Il n'a pas marqué la durée? Bon, en tout cas. Donc c'est un film de. Donc, le Blu-ray est sorti en 2016. C'est quand même bizarre qu'il n'ait pas marqué la durée. Bonsoir. Eh ben non, j'ai pas. Non, il n'y a aucun indice de durée. Bon, alors ça alors. Bon. Le menu est disponible en français. Mais on peut. En vidéo. Alors en langue, on a le français. En DTS HD Master Audio, ainsi qu'en DTS DTS Master Audio 5.1, oui, d'accord. Et sinon, en français, DTS HD Master Audio 2.0. Donc, pour le home cinéma, c'est impeccable. Mais, bon, malheureusement, il n'y a pas de durée du film. Moi, bon, la plupart des gens s'en foutent, mais pas moi. Moi, j'aime bien savoir tous les détails. Quoi d'autre dire? Eh bien, c'est tout. En bonus, on a en 1080p haute définition et en français DTS HD Master Audio 2.0. Voilà. Non, j'ai bien.
J'ai bien vérifié, il n'y a pas d'adhéré du film. Bon. Donc à vue de nez, ça, on va faire dans le format classique d'un film de genre, c'est entre 1h25 et 1h30 en gros. Voilà. Bon, j'ai fait arrêter à temps, mon téléphone avait failli tomber. Je cale comme je peux. Hein. Un mot sur le prix. En occasion, hein, tout comme Lost, 2 euros. C'est un prix correct hein, pour du Blu-ray. Même très correct. Je vais conclure sur les achats d'objets collector. Alors là, c'est impossible à filmer dans la rue, puisque c'est en plus en plein centre-ville. Et vous ne pouvez pas aussi filmer la vitrine. Hein. Pareil, sur le trottoir, directement. Trop compliqué. Et en plus, les caméras de surveillance de la ville. Big Brother est partout, malheureusement. Une figurine. Je suis très content de l'avoir trouvée. Ma super héroïne préférée. Ma jolie Wonder Woman. Alors, elle était comme ça dans la boîte. Il y a un petit défaut. L'épée est courbée. Donc, je veux pas y toucher puisque je n'ai pas envie de la casser. Donc, ça reste comme ça, je m'en fous. Le pas principal, c'est voilà, c'est une jolie figurine. Donc, vous voyez, elle est pas très grande. Elle fait ça. Mais bon, vraiment une jolie pièce que j'ai eu super pas cher pour seulement 12,09 €. Donc, c'est un magasin qui s'appelle Kimé Shoten, ici à Bourges. Et voilà, donc c'est une figurine qui date de du temps de la sortie du premier film. Il n'y a pas d'indice de date. Bon, fait en Chine, bon, comme d'habitude, malheureusement. Donc du film de 2017. Voilà. Vraiment très content de l'avoir trouvé. Ça ajoute à ma collection de des objets de Wonder Woman. Et que j'ai laissé soigneusement dans le plastique d'origine. Le bonnet de voilà, Wonder Woman. On a acheté 22 €. Bon, c'est que du neuf, hein. Dans ce magasin, il n'y a pas d'occasion. Bon, une belle pièce. Quand il fait froid, ben, je suis bien content de le trouver. Quoi. Bon, je l'ai pas encore mis, mais parce que bon, c'est une belle pièce. Bon, je préserve sous le plastique. Voilà. Et il y a même pour montrer que il y a un petit pompon sympathique. Je vais mettre à l'intérieur, donc c'est un produit, je vous montre à l'intérieur l'étiquette, c'est bien un produit officiel. Hein. C'est pas un truc bidon. Voilà. Hop. Et c'est en voilà. Donc c'est fait bien sûr en Chine, encore une fois. Et c'est du 100% acrylique. Donc, je fais une belle pièce, hein. Voilà. Ils ont recto verso. Bon, le logo est brodé, hein. Couleur or. Voilà, je le remets à l'endroit. Et voilà, je le mets soigneusement dans son plastique. Peut-être que je vais le mettre aujourd'hui parce qu'il fait froid. Il fait froid là. Un froid humide, je sais pas, peut-être que je vais le mettre aujourd'hui. Pour l'instant, je mets soigneusement dans son emballage d'origine et c'est en plus
la décoration sur ma penderie. Hop. Et le tout dernier achat, toujours au même endroit, hyper sympathique, un sac à dos Sony PlayStation. Donc voilà, donc là c'est le 1994, c'est la date de sortie, non pas mondiale, mais au Japon. On va savoir que la toute première PlayStation était sortie dans ce pays, le pays du soleil levant. Et on, bien pratique, alors on a une belle finition, hein, vous voyez. Voilà, avec les logos ici. Une grande poche. Pour vous dire, hop, j'enfonce une bonne partie de mon bras. Elle est large. Une plus petite, ici. Très pratique. Voilà, pour mettre des choses. Une derrière, bien, bretelle réglable, bien entendu. Encore le logo PlayStation, cousu. Voilà. Et dedans, donc, aussi les, voilà, les logos ici sur les systèmes d'ouverture, le système d'ouverture. Un scratch de séparation. Ici, vous l'avez. Il est vraiment sympa. Hein. Voilà, une contenance, d'après le vendeur, me disait, une contenance entre 15 et 18 litres environ. Voilà, pour vous donner une idée. Hop. Bon, on ne va pas voir grand-chose puisque c'est noir. Mais c'est bien pratique parce que il y a ce, voilà, ce scratch. Ici, il y a une poche de séparation, un compartiment, et c'est super pratique pour mettre pas mal de choses. Et est-ce que, bon, bien sûr, ça va être fait en Chine. Je vérifie ça tout de suite sur les étiquettes. Donc c'est un produit officiel, le PlayStation. Et c'est fait en 100% polyester. Est-ce qu'il y a une information là où c'est fait? Et non. Ah ouais, c'est bien, c'est marrant, il n'y a pas d'information sur le pays. Ah bah si, voilà, en bas. Made in China. Voilà. Alors celui-là, je l'avais acheté 39,99 €. Bien sûr. 9. Alors, est-ce que j'ai rien oublié pour finir bien ce très long vlog, hein, de mes achats, compte rendu, tout ce que j'ai pu trouver. Oui, je finis. Alors, c'est le dernier endroit que j'ai visité, Noz. Ben, il y avait quasiment rien du tout, sauf ce Blu-ray. Avec cette délicieuse Salma Hayek que j'adore, c'est une de mes actrices préférées, Everly. Alors c'est marrant, ça me fait penser un peu à cet ovni, hein, que je vous ai présenté sur ma chaîne. Apportez-moi la tête de la femme mitraillette, film que je vous conseille. Voilà, donc le verso. Un des tout derniers Blu-ray que j'ai pu trouver chez Noz pour pas cher, pour 1,99 €. Hop. Voilà. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, c'est Everly, une call girl devenue indique pour la police, qui doit affronter une armée de tueurs professionnels envoyés par son ex, un ponte de la mafia. Retranchée dans un appartement, Everly, incarnée par la sculpturale Salma Hayek, est prêt à tout pour se défendre et sauver sa fille.
le sang va couler à flot. Alors c'est vrai, ça fait penser hein, au film dont je vous parlais, hein, Rapportez-moi la tête de la femme, Mitraillette. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc, ça a été présenté au Comic-Con. C'est dans la lignée des productions Tarantino et Rodriguez. Alors, qu'est-ce que disait The Hollywood Reporter, un journal, un magazine? On n'a pas vu de femme badass aussi sexy depuis Uma Thurman dans Kill Bill. Ah ouais. Vous m'en direz tant. En supplément, ben, pas grand-chose, par contre, quasiment, même je dirais même quasiment que dalle, à part une interview de Salma Hayek et du réalisateur Joe Lynch. Bon. Ah, mais là, il y a une indication de durée, donc c'est 1h30 minutes, hein, format 2.40, 16 neuvième, compatible 4 tiers. C'est un film de un Blu-ray sorti en 2016, et c'est interdit au moins de 12 ans. Everly, un film à découvrir. Oh ouais! Eh bien, cette fois-ci, c'est tout pour aujourd'hui. Et ça conclut, eh bien, mon périple de ma grande chasse aux DVD, Blu-ray, jeux vidéo et objets collector, goodies. Merci pour votre attention. Alors, comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Mettez-moi vos commentaires en dessous. Laissez-moi un M. N'oubliez pas de suivre mon actualité sur mes autres comptes de réseaux sociaux, à savoir l'après ciné, Twitter, page Facebook Post Ciné, compte Instagram, ciné, petit tiré, série au pluriel, petit tiré, passion. TikTok, slasher, forever, 1970. Et Snapchat, Leatherface, 1973. C'était Fred, et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut!